Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Colani, mon frère Didier, je vous salue. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit dans votre audio. Nous pouvons pas t'accompagner. Sincèrement, nous sommes. Mais seulement tu as posé des questions. Mais mon message s'adresse aux compatriotes togolais vivant au pays. On est à votre dignité. Où vient quand est votre dignité? Et quelle est votre réaction face à cette décision inique? Mais tu vas beaucoup nous excuser. Nous, on est au décembre 8. Et j'ai bien dit que j'ai écouté ton audio. Nous, c'est audio. Non, il ne faut pas nous réduire comme ça. Et quand vous demandez, il y a une décision qu'on prend à l'aéroport, qu'on aurait dit qu'il y a des poids romains. Mais il y a une liberté d'abord. Nous, on est 200, on cherche une liberté. Il ne veut pas faire le combat. Ils sont partis à la diaspora. Hier, j'écoutais sur la plateforme. Hier, c'est Camus Ali et puis Folie Bété, consomme, même toi, même. Mais ceux qui ne connaissent pas leur origine, il faut avoir des convictions. On vous dit merci. Mais qu'est-ce que vous voulez que le Togolais fasse encore? Dites-moi sincèrement. Moi, je dis, qu'est-ce que vous voulez que ce peuple-là puisse faire encore? Depuis 90, nous sommes dans ce combat. Si c'est dans la rue, le peuple est sorti. On les a tirés, on les a gazés, on les a arrêtés, on les a emprisonnés. Certains sont partis en exil. Ça continue. Finalement, c'est un vieux de 95, combien d'âge là, qui est sorti encore pour demander à la population d'aller sanctionner le régime là dans les urnes. Qu'est-ce que le peuple n'a pas fait? On n'a jamais plus vu ce potentage là qui est sorti. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? À part de s'attaquer à ces dirigeants-là, ceux qui se disent dirigeants-là, ou bien chefs de parti politique, de l'opposition, qui ont trahi la lutte. Mais attaquer, il ne faut pas regarder la population. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même la société civile que tu dis là, la société civile aussi est au même titre que, ou bien au même visage que ces partis politiques. C'est leurs intérêts. Et c'est pourquoi nous avons pris sur nous. Moi, je dis, quand je dis nous, là, moi, Colani, nous avons pris pour éveiller ce peuple. De connaître leur droit de voix. S'ils connaissaient leur droit de voix, je pense qu'ils devaient s'assumer. Ils devaient s'assumer. Mais ils m'ont mis le dos. Ils m'ont tenu pour nous tout vivre. Et nous, le coma, Didier. Non. Au point de l'aéroport, il a révolté. Pour qu'on se révolte. Parce que c'est parce que vous envoyez de l'argent de la diaspora. Parce que la diaspora a toujours financé l'opposition, je sais bien. Il a toujours envoyé les gens, c'est pourquoi les gens se plaisent en opposition, pour rester éternellement en opposition, et vous envoyez de l'argent, n'envoyez plus. Et nous-mêmes, on se réveille. Si moi, Colani, ce matin, je n'ai plus à manger, je pense que je dois sortir dans la rue. Si j'ai fait, je dois sortir. Mais il n'y a pas donné de leçon à quelqu'un, pour que les gens connaissent leur droit de voir. Ah non. Sincèrement. Et chocolat, qui m'a appelé Bobanami, qui m'a dit, il y a un chocolat. Qui m'a mis le café, cacao, les badoukou, et Miamia. Il m'a transformé. Mais à droite, mais ok, il est bien. Combat, excuse-moi, si tu veux, tu me reprends, je t'en prie. Il y a là-bas, bien peuple, même dignité, il est battre. On se bat d'abord pour notre dignité, pour un état de droit. Et donc, comme on met l'état de droit, nous aussi, on se bat ici. On se bat et on vous remercie ceux qui sont de la diaspora qui s'intéressent encore au pays. Certains ont refusé de s'intéresser, tant mieux. Au Tchik Bédié, nous nous disons, ils ont perdu leur repère. Non. Sincèrement, le peuple a donné. On a vu la défense des uns des autres. C'est l'heure de la lumière, c'est l'heure du verso. C'est pourquoi je dis de la lumière vers la lumière. Gapopouyamere, on a qu'à situer les responsabilités et reprendre des choses sur de bonnes bases. Le régime là n'est rien. Mais en face des gens qui volent, qui trichent,
Et ceux qui sont en face, là, sont des sorciers. Mais je dis, le régime vole, il triche. Mais les opposants, c'est des sorciers. Qui peut croire que l'opposition ne pouvait pas s'unir pour réclamer la vérité des urnes? Qui peut croire à ça? Avec cette majorité des populations qui sont sorties le 22 février 2020. Mais non, non. Et ça continue. Et vous voulez parler au peuple, la peuple, peuple mouton. Comment on est mouton? Même mini mouton, le fiolo. Un mini mouton, même les réactions sur les radios, quand on a donné la chance au peuple d'appeler, vas-y, les femmes, les enfants, ceux qui rentrent en ligne, là, ceux qui disent là, tu seras qu'ils ne sont pas moutons. Mais ils attendent peut-être un leader, mais le leader doit se décrète pas, ça va venir. On a cru à certaines personnes à l'époque, mais ils ont trahi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont trahi que la guerre, le combat est arrêté, le combat continue. Hein, Didier, sincèrement, là, aéroport Benyang, c'est petit. On peut encore corser plus que ça. On peut encore ajouter des... Même qu'on interdise que vous ne rentrez, pour que nous soyons face le combat. On n'a pas peur de quelqu'un ici, au Togo ici. C'est pas ça. Nous, on veut notre liberté d'abord. D'abord, la liberté de s'exprimer, d'aller revenir, de crier. Au 228. On veut cette liberté d'abord. Ce n'est pas l'argent. L'aéroport n'est rien. N'est rien du tout. C'est rien du tout. Notre quotidien, notre patrimoine commun, il faut qu'on le gère, il faut qu'on nous rende compte. On est dans une république. Folie Bété disait quelque chose. La république, c'est quoi? On n'exclut personne. Mais aujourd'hui, au Togo, on exclut des gens. Les gens sont exclus sur les sérieux. Les gens sont exclus sont en prison. Et ce qui est pour la république, il faut rendre compte. On ne rend pas compte. Nous nous battons. Nous nous battons. Le peuple se bat. Il avait confiance à ses aînés. Mais ils l'ont trahi. Et c'est l'heure de la lumière. Il faut qu'on le relève. Il ne faut plus avoir confiance aux gens. Il faut avoir confiance à toi-même. Mais s'il a confiance en lui-même, il prendra ses responsabilités au moment venu. Et on vous remercie, je dis encore bien que je remercie ceux de la diaspora qui s'intéressent toujours à la chose de leur pays. Mais ceux qui ne s'intéressent pas, ça fait leur problème. De toutes les façons, chacun est venu différemment, nous allons partir différemment, mais nous allons les rendre compte quand même, à nos aïeux, parce que c'est la tête de nos aïeux. Quel que soit ce que tu es, bien que tu as à l'extérieur, ne sont pas égales à ce qui est au village. Ouais. N'est jamais égal à ce qui est village. Comme l'a dit Sigwele Kéé, nous y a Glen, le Koglouma, King Messin, Bédi, Bédi Amunyo, Ahoui Bero, Bédi, au bateau de milliards de coups, bateau de Ahoui, on te sait n'importe comment. Ahoui, 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 Ahoui. Ok, de la lumière vers la lumière, mon camé, c'est bon, Didier. Ouais, sinon nous avons une dignité quand même au 228 et nous nous battons. Quel que soit le fa, le mensonge n'a jamais dépassé la vérité. La vérité finit par le rattraper, le dépasser. Ça, c'est clair. Tôt ou tard, il a dit que vous avez avoué à tes pédidis. Bon, matin, non, mais il est dit. Les morts vont comme de la lumière vers la lumière. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.